Ok les potes, n'oubliez pas le petit pouce et vous abonner, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'espère que ça va. Tranquille vidéo. Alors, on est parti pour la boutique. Let's go. Alors, ce soir dans le monde, un nouveau skin. Normalement, c'est aujourd'hui, je crois. N'oubliez pas le petit code créateur, la gameuse, je ne sais plus parler, moi, les gars. Je ne sais plus parler. Bref, alors, du coup, on a... Ouais, j'avais dit que c'est ça ce week-end. Moi, le skin, je l'aime bien. Je sais pas vous, les gars. Vous connaissez mes goûts de skin généralement que je joue. Et je le trouve sympathique. Du coup, Lucien West, le voilà enfin. Du coup, le petit pack, il y a du coup le skin adopté custom. Donc, genre avec le masque et sans le masque. Moi, je l'aime bien. Après, je sais pas si vous aimez, vous, les gars. Peut-être que c'était pas forcément un skin mec pour les mecs. C'est vrai qu'il fait un peu avec son vêtement là. Enfin, je sais pas. Mais moi, j'aime bien, perso. Regardez la grosse peluche. C'est Petit Louis qui s'appelle la peluche. Ok, par contre, la pioche, une espèce de... Comment on appelle ça dans les jeux vidéo, là? Je sais plus, diadème, je crois. Enfin, un truc des pouvoirs, je crois. C'est un chasse au vampire. Donc, ouais, c'est un chasseur de vampire. Enfin, je crois que c'est ça. Ouais, le petit vêtement, il est plutôt simple, mais c'est la couleur du skin. En même temps, il va pas être coloré en rouge, en plus. Et le chargement, par contre, c'est une dinguerie, j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est les skins. Voilà, un autre chasseur de vampires qui était dans le club de Fortnite, je vous rappelle, du mois d'avant. Ceux qui ont le skin, vous voyez quel skin je parle. Qui d'ailleurs, qui comme mes PNJ sur la carte d'ailleurs. Et là, c'est un skin du coup du pass de combat. Et du coup, vous avez lui. Voilà. Franchement, c'est stylé, hein. Est-ce que vous reconnaissez l'endroit où ils sont positionnés? Sur quel pont et à quel endroit, les gars? Je vais rien vous dire. Si vous dites en commentaire, c'est rien qu'à la photo, vous reconnaisserez facilement. Moi, perso, je suis à l'endroit, dès le début du chapitre, j'y allais tout le temps. C'est un endroit que j'aime beaucoup, personnellement, moi. Je ne dis pas qu'il y a que cet endroit-là, mais je parle bien au début de la saison, quand le chapitre a commencé, j'arrêtais pas de stuff, mais j'allais tout le temps là. J'aime bien aller partout, je suis allé partout sur la carte quand même pour visiter la carte, mais c'est l'endroit où j'y allais tout le temps. Mais un peu moins maintenant, c'est vrai que comme je joue pas solo, tout le monde n'a pas vraiment le même spawn, mais c'est un endroit que j'aime beaucoup quand même y aller. Et puis c'est un endroit plutôt tryhard, mais pas trop, vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est assez mythe, c'est entre les deux. Il y a des endroits plus tryhard que d'autres, plus calme que d'autres, etc. Mais moi j'aime bien cet endroit. Dites-moi en commentaire si vous reconnaissez la ville du chapitre 4 ici. Dites-moi en commentaire les potes. Du coup, alors, le pack. Séparément, 1200 V-Bucks, 800 V-Bucks la pioche, et du coup 300 V-Bucks le petit revêtement. Bon, moi j'aime bien le skin, les gars. Peut-être que vous aimerez peut-être pas trop. Mais moi j'aime bien. Donc, eh ben je vais me l'acheter. Hein. Est-ce que c'est une question que je pose? Bah non. C'est même pas la question que je me pose. Je le prends directo. Et je vais mettre le mettre tout de suite. Voilà, voilà, hop. On regarde ça tout à l'heure pour le reste du pack. Du coup, on a le retour du skin Tetsuki à 1200 V-Bucks. Avec le skin le frelon de cuivre. 1500, leur pioche. Bien sûr, 1200. Et le petit revêtement à 300. Le retour de, du coup, le skin céleste. Bon, là, on connaît bien. La petite pioche avec aussi. Voilà, voilà. Oh! Ils ont tout remis, hein? Ok. Donc, vous avez tous les skins, du coup, de... Ouais, un peu militaire. On va dire neige. Si on peut dire ça comme ça. Il y a pas mal de skins qui sortaient pas très souvent, en plus. Genre, moi, celui-là, j'avais plus un petit moment, par exemple. Mais il me semble que les autres étaient plus rares, non? Je vais pas dire de bêtises, les gars. Je crois que certains skins, ils sortaient pas très souvent en boutique. Je vais pas dire de bêtises, les gars, mais je crois que oui. Je confonds peut-être avec un autre skin, je crois. Je crois que je confonds avec un autre skin, les gars. 4 skins féminins, 4 skins masculins. Là, vous connaissez. Boutique quotidienne, le petit Super Sonic à 2000 bugs, à 4 custom. Vous avez du coup Sagan à 800 bugs. Tu vois, là par exemple, les gars, c'est un skin normalement qui sortir pour Halloween, genre ça se voit, regardez, rouge et noir, elle a un côté un peu Halloween. Je dis pas que c'est un film que ça fait Halloween à 100%, mais logiquement, la première fois qu'elle est sortie, c'était dans la période d'Halloween. Et ce skin sort tout le temps. Je comprends pas, des fois, les skins sortent tout n'importe quoi. Là, par exemple, avec un petit côté, avec le zombie sur le dessus, la bolide, là, des premiers planeurs sur Fortnite, là, ça a plus un planeur un peu Halloween aussi. Hein. Il y a un zombie dessus, je suis désolé, mais c'est vrai. Hein. La petite danse sur place, là, elle est trop bien. Parce qu'on peut le faire avec plusieurs personnes. Je sais pas jusqu'à combien. Parce que j'en ai fait plein de fois cette danse.
quand l'imposteur était encore là sur Fortnite. Et on était plus de 10 à danser comme ça. Donc je pense qu'on peut danser vraiment à beaucoup beaucoup de joueurs. J'ai jamais pu essayer à plus que 10. Donc dites-moi en commentaire les gars si vous avez essayé à plus. Est-ce qu'on peut faire vraiment à beaucoup plus que 10? Si vous l'avez déjà cette danse là. La misoleuse, je sais pas pourquoi la dernière fois j'avais acheté cette danse. Je trouvais qu'elle était drôle. Moi ça faisait penser à GTA, je vais vous dire pourquoi ça faisait penser à GTA pour ma part. Vous savez dans GTA il y a des courses. Il y a aussi des courses tondeuses, tracteurs, etc. Et ça faisait penser à ça. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est pour ça que je l'avais acheté à l'époque. Je trouve ça drôle. La petite danse ventouse. Celle-là est plutôt drôle, cette danse, cette emote. C'était l'époque où il y avait les pirates, je crois. C'est Fortnite, il me semble, quand cette danse est sortie. Bon, c'est un petit peu une danse trolling, un peu. Ok, tout le... Ah, bien sûr, le skin qui est de la roi, c'est logique. Il sera disponible pendant toute la semaine, les gars. C'est pour ça qu'ils me demandent. Je sais qu'il y en a plein qui se demandent quand... juste à quand il reste. Ouais, bah, c'est une petite semaine, surtout que normalement, on est censé avoir une emote qui est pas encore sortie, parce qu'il y a deux emotes qu'on attend tous, qui ne sont pas encore sortis, qui est à la suite de ça, donc logiquement, il devrait sortir la semaine prochaine, logiquement. Voilà, bon, ça c'est une petite dot qui est sortie du coup, quelques jours déjà, 2 jours. Bon, cela on l'a déjà vu, on va pas les remontrer, les gars. C'est les mêmes danses, après ce qui est par là, c'est toutes les mêmes danses, les skins c'est les mêmes. Bon, là, on va passer vite quand on l'a déjà vu, hein, ça fait 3 jours qu'ils sont en boutique, c'est bon, on les connaît bien. Ça c'est depuis hier, c'est en boutique. Et le club de Fortnite et le petit pack Zinzin animé, du coup. Voilà. Et bientôt, d'ailleurs, le club de Fortnite va changer. Je vous rappelle que c'est un skin féminin qui ressemble beaucoup au skin que je vous ai dit. Bah, celui-là, qui est là. Le skin, du coup, du club de Fortnite de Février ressemble un peu à celui-ci, mais en femme. C'est pour ça que je sais pas s'il y a un lien avec les deux. Peut-être. Vous me dites en commentaire, les gars, s'il y a un lien entre le club de Fortnite qui arrive prochainement. D'ailleurs, il n'est pas encore à jour. Comme vous avez vu, on voit encore l'ancien pour l'instant. C'est logique. Mais dans quelques jours, on le verra à la jour ici. Vous me direz si vous trouvez qu'il y a une ressemblance. Moi, je trouve qu'il y a une ressemblance entre le nouveau pack qui va arriver prochainement du club et le skin qui est là actuellement en boutique. Bref, sur ce, moi, je vous dis à demain pour de prochaines vidéos et prochains lives. Sur ce, bye bye!